The Triangle Shirtwaist Factory. Ouvert en 1906 par Max Blanc et Isaac Harris, deux anciens couturiers d'origine russe. The Triangle Shirtwaist Factory est une usine de fabrication de vêtements pour femmes, située à New York dans l'immeuble ASH Building. En 1908, Shirtwaist Factory est incontournable, car elle vend près de 1000 chemises par jour, et reçoit le surnom de The Shirtwaist Kings. Voyant que les affaires fleurissent, Max et Isaac décident d'agrandir l'usine en occupant l'étage 8 et 10 de l'immeuble. Seulement, le 25 mars 1911, un incendie inoubliable va ravager l'usine, causant plus de 140 morts, dont la grande majorité sont des femmes âgées entre 14 et 25 ans. L'un des incendies les plus meurtriers de New York, l'incendie de l'usine Le Triangle de Shirtwaist. Salut les amis, avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Donc si vous voulez continuer à la regarder, c'est simple. Cliquez sur le bouton s'abonner, like, et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Si c'est fait, c'est bon, on peut continuer. À cette époque, l'industrie de textile se porte plutôt bien et l'immigration vers le nouveau monde est importante. À cela s'ajoute la réalité des classes sociales, qui se manifeste par des conditions de travail très souvent pénibles pour la classe ouvrière, parfois une absence de sécurité totale à leur égard. On parlait d'ateliers de misère, où travaillaient des immigrants dans des conditions inhumaines. Très souvent, les mesures de sécurité n'étaient pas respectées, par exemple, le temps de repos et de travail, les congés, l'hygiène et la propreté, et l'environnement de travail. Pour s'assurer que les employés ne voleraient aucun article de l'usine, les propriétaires de Shirtwaist mettent en place une méthode simple: lorsque les employés rentrent dans l'usine, on verrouille les portes après eux. Et lorsqu'ils ont terminé leur poste, on ouvre les portes. La tâche de verrouiller les portes derrière les employés était réalisée par des contremaîtres, qui eux ne restaient pas forcément dans les locaux. Le 25 mars 1911, aux environs des 16 heures, après une semaine pénible, l'ensemble des employés de l'étage 8 s'apprête à faire ses bagages pour rentrer. Soudainement, la présence de fumée interpelle les employés de l'étage 8, qui tentent d'informer les employés des étages du dessus. Il est dit qu'un des contremaîtres du 8e étage a jeté son mégot de cigarette dans l'une des poubelles pleines de tissus. Un incendie est déclaré, rapidement les gens se débattent comme ils peuvent pour s'échapper. L'un des employés fonce vers les étages supérieurs pour porter secours à ses collègues. Il parvient à se rendre au 10e étage et emmène avec lui quelques personnes sur le toit de l'immeuble. Ces derniers s'en sortiront sains et saufs. Malheureusement, le feu de plus en plus intense au 9e et 10e étage n'épargne pas les ouvriers, qui sont obligés de sauter dans le vide ou de se laisser consumer par les flammes. L'incendie cause la mort de plus de 140 personnes, dont la majorité sont des femmes, et 71 blessés. Plus de 100 000 personnes sont endeuillées et revendiquent la justice. Max et Isaac sont jugés pour homicide involontaire, et après procès sont déclarés non coupables. Cet événement tragique va permettre d'être un peu plus attentif sur la gestion des incendies. Ce qui donnera naissance aux issues de secours, aux sprinklers, et la création de l'Association des professionnels de la Société de sécurité américaine, ASSP, ou Société des ingénieurs de la sécurité américaine. Après plusieurs recherches, je me suis rendu compte des causes réelles de l'incendie de Shirtwaist. Généralement, un accident a des causes directes et des causes profondes. Dans notre histoire, on pourrait se limiter à la cause directe qui est, un contremaître a jeté son mégot de cigarette dans la poubelle. Seulement, si la poubelle était vide, le feu ne se serait pas déclenché ou propagé à cette vitesse. Ou si les portes étaient ouvertes, les dégâts humains auraient été moins importants. Si les pompiers avaient des équipements qui leur permettaient d'atteindre le 9e étage, on aurait pu stopper les flammes ou secouru plus de personnes. Voyez-vous ce qu'il se passe? Si on tente de remonter à la cause racine avec les informations que nous possédons et en partant du fait ultime qui est, 146 personnes sont mortes. En posant juste la question. Pourquoi à chaque événement? Que pourrions-nous trouver? Prenons un exemple. Samuel est un jeune homme de beau quartier, qui a été emprisonné après avoir dérobé des objets de valeur dans un magasin. La police n'a pas eu du mal à le retrouver grâce aux vidéos de surveillance. Si l'on prend pour fait ultime, Samuel est emprisonné. Et contente de remonter aux causes en se posant la question pourquoi.
et lorsque l'on trouve une réponse cohérente, on se pose à nouveau la question pourquoi. Pourquoi Samuel a été emprisonné? Si l'on suit l'histoire de Samuel, la réponse pourrait sans doute être « parce qu'il a dérobé dans un magasin ». Pourquoi Samuel est allé voler? On ne sait pas, vu qu'on n'a pas d'informations. Là on se dit qu'il nous manque des informations et que nous devons chercher ailleurs. Par exemple, des informations que nous avons et qui peuvent nous interpeller, jeune homme de beau quartier. On peut fouiller dans sa vie pour savoir ce qui l'a poussé à voler. Si on fait le même exercice avec l'incendie du triangle de Short West, on est plus ou moins proche de ce résultat. Cette illustration est une hypothèse, elle n'est pas une vérité absolue mais elle pourrait être quand même considérée. Notre fait ultime ou situation finale est, 146 personnes sont mortes. Pourquoi 146 personnes seraient-elles mortes? Parce qu'elles ont sauté de l'immeuble et parce qu'elles ont été prises dans les flammes. Là, on a deux causes pour un événement, mais ce n'est pas grave, on continue et le résultat est ahurissant. Si vous voulez le support, je l'ai mis en description. J'ai mis en couleur rouge les éléments que je considère comme cause racine. De cette histoire, je retiens que très souvent les employés payent des erreurs de leur boss. Qu'en penses-tu? Mets tes avis dans l'espace commentaire, je te répondrai tout de suite. Si tu as aimé, nous avons lancé une série qui traitera des accidents industriels comme dans cet épisode. L'objectif est de les découvrir et de les analyser à notre tour. Ça va être chaud, mais c'est le challenge. On se retrouve prochainement pour un autre épisode. Ciao !